les Alpes. Made it! We can still come, baby! Enfin à Stockholm en Suède, je suis trop contente d'être là. Ce voyage est aussi important pour moi parce que ça fait super longtemps que je voulais être là, mais la raison pour laquelle je voulais absolument venir en Suède, c'est parce que je suis d'origine suédoise par mon arrière-arrière-grand-père. Je suis d'origine suédoise à près 10 ou 12%, un truc comme ça. Comment se fait-il que je suis congolaise et que j'ai des origines suédoises? Simplement parce que mon arrière-arrière-grand-père était un missionnaire et dans les années 1800, enfin au 19e siècle, il a immigré, il est parti au Congo et apparemment il était missionnaire. Donc depuis que je suis toute petite, je suis au courant de cette origine suédoise, de ce 10% qui compose mon sang. Et depuis toute petite, je voulais simplement découvrir le pourquoi du comment, comprendre un peu l'histoire. Avec ma famille, une conscience large, on a toujours voulu faire ce petit voyage de venir voir, etc., la culture des ancêtres, etc. Mais ça n'a jamais été fait parce que, vous ne savez, un group trip, on peut passer des années à le planifier, mais jamais se réalise. Donc je me suis dit, j'ai du temps devant moi, let's go. Donc je suis là à Stockholm, je suis arrivée hier soir. Ça a été une super longue journée, franchement, le trajet. Mais me voici, me voilà, il faut sortir. Donc je suis là pour à peu près... Je suis là pour deux jours et demi, je quitte lundi, aujourd'hui on est samedi. Et j'ai hâte de découvrir la Suède et la culture, les gens, enfin, j'ai trop hâte. Je sais que ce pays va coûter une blinde, donc je vous ferai un récap budgétaire de ce que j'ai dépensé parce que Stockholm c'est super cher, mais bon bref. Le programme d'aujourd'hui, c'est que je vais croiser une de mes copines qui vit à Paris aussi, que j'ai pas vu depuis le début du Covid. Et on s'est donné rendez-vous d'ici une heure pour aller prendre un café ou manger un petit truc. Et après, je ferai ma vie. En fait, c'est même pas prévu qu'on se croise, mais comme elle est là, je me suis dit, bah attends qu'on se croise. Enfin, c'est dommage qu'on arrive en Suède pour se croiser. Mais bref, on va se croiser et après, je ferai ma vie en tant que touriste. Voilà. Thank you.
arrivée au centre-ville de Stockholm. Donc, on est à T-Centralen qui... Je sais pas c'est quoi l'accent en fait, mais c'est la gare centrale de Stockholm. Autour de moi, il y a pas mal de magasins, pas mal de restaurants et surtout pas mal de bus qui passent. La tête des bus me rappelle vachement celle du Luxembourg. Et c'est plutôt pas mal. Il y a quand même pas mal de monde hein, dehors. Attendez à ce qu'il y ait du monde dans le centre-ville. C'est beaucoup plus vivant que là où j'habite. Pas mal de vélos... C'est calme en fait, donc je suis contente de voir tout ça. Je vais en profiter pour prendre quelques prises de vue pour le B-roll et Sarah devrait arriver normalement d'ici 10 minutes. Je l'attends et on va sortir ensemble avant que je continue ma journée. C'est qui? Je suis... Ça va? Et tu dates, hein? Tu dates. En gros, le petit de courant. L'opéra. Va arriver ici et ça me fait rire parce qu'en fait depuis que je suis toute petite, enfin quand j'étais petite surtout, quand j'étais petite je disais aux gens que j'étais la petite fille du roi de Suède et il va peut-être passer par là, c'est drôle. Voilà. Ça fait quoi toi? C'est un vin à la brette. D'accord. On s'est séparés et elle est rentrée chez elle. Moi, je suis à Solna Strand, qui est une des stations de métro du métro suédois. Cependant, je suis un peu perdue. En effet, j'ai commencé mon tour des stations de métro, une station de métro que j'ai envie de voir en particulier. Je suis actuellement à la recherche de Solna Centrum, sauf que là, je pense que je suis un peu perdue parce que je pense qu'il fallait que je change de métro pour prendre la 11. Mais bref, je ne sais pas comment je vais faire, ou seulement je pense que je vais sortir et marcher jusqu'à ce que je trouve la bonne station. Et puis voilà. Arrivé à Solna Centrum qui est une des plus belles stations de métro de Stockholm. Sa particularité c'est qu'elle est totalement rouge et il y a une ambiance assez deep. Enfin j'aime beaucoup, donc je vais voir ça donne quoi en vrai, parce que sur les photos ça donne super bien. Mais voilà, là je suis en train de descendre l'escalator qui est aussi tout rouge. On a vraiment l'impression d'être sous une grotte en fait. C'est ça qui est intéressant avec, avec les stations de Stockholm. Mais voilà, j'y suis, c'est super beau et je vais prendre quelques photos je pense. Ce serait cool de sortir de là avec quelques photos et puis voilà. National Museum.
nom, je ne sais pas il se passe quoi exactement, mais je pense que c'est un rapport avec la royauté suédoise. Il y a énormément de monde autour de moi, comme vous pouvez le voir. Et je crois que le roi est sorti, parce que tout à l'heure, quand tu as Central, il y avait le roi qui allait passer. Et je pense que la famille royale est quelque part là, en fait. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une sorte de mini-concert. Il y a des vidéos aussi qui sont jouées. Il y a tous les musiciens, la fanfare, et il y a énormément de monde. Donc je vais faire mes petites recherches pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement, mais je sais que c'est un rapport avec la famille royale, parce que toutes les vidéos qu'on voit passer, en fait, c'est clairement la famille royale. Donc ça a l'air sympa, il y a tout le monde, beaucoup de familles, beaucoup de personnes âgées, beaucoup de jeunes, et l'ambiance a l'air super sympa, donc on découvre. Vous reconnaissez les meubles Kallax de chez IKEA. Bah voici une version géante avec des chaises dedans. Trop marrant. Kristineberg, donc la station où j'habite. Je sais là. Le truc, c'est que je suis exténuée. Franchement, la journée a été longue, j'ai pas beaucoup dormi. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement rentrer, passer à côté, vite fait, faire une petite course, prendre de l'eau, rentrer me poser, dormir et me préparer pour demain. Voilà! Midi 3 et j'ai pu déposer mes affaires à l'hôtel qui se trouve juste devant. Je suis contente parce que je vais pouvoir faire mon tour, visiter un petit peu le centre. Et actuellement, je suis à Gamla Stan qui est le centre historique de la ville de Stockholm où il se passe pas mal de choses. C'est aussi, je pense, l'un des spots les plus touristiques de la ville. Du coup, ce qui caractérise un peu Gamla Stan, c'est que c'est sur une île, Gamla Stan, et c'est surtout les bâtiments colorés. Il y a beaucoup de bâtiments colorés dans tout Stockholm et je pense que je vais pouvoir faire des super belles photos, des super belles prises de vue. Pour l'instant, comme j'ai dit, il est midi et j'ai 3 heures avant de récupérer ma chambre. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est simplement visiter, faire un petit tour, et je pense que avant 13 heures, je serai partie manger. J'ai envie de manger de la cuisine traditionnelle aujourd'hui, donc je vais tout faire pour que ça se passe, et puis voilà, je vais vous montrer tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a une petite manifestation ou je sais pas, quelque chose en face, donc je vais aller voir. Mais sinon, tout à l'heure, je me suis arrêtée dans un petit magasin pour acheter des magnets pour ma grand-mère. Elle voulait absolument des magnets, donc j'en ai pris 2. Oh, regardez, ce sera trop mignon! C'est trop mignon. Bref, un peu de shopping et faut que je trouve un spot pour faire des photos, très important. Thank you.
Je me suis posée dans un petit parc, donc c'est le parc du musée de Nobel. Mais si on entendait de la musique derrière moi, c'est simplement parce que la fanfare royale est en train de jouer. Mais sinon, j'ai fini de manger. J'ai mangé chez Tradition, restaurant qui sert de la cuisine traditionnelle suédoise. Et j'ai pris les côtes bollard, qui sont les boulettes suédoises. Enfin, tout le monde connaît. Si vous allez à Ikea et que vous mangez ça, bah, vous connaissez. C'était vraiment super, super méga bon. Rien à dire, c'était excellent. Et c'était super réconfortant, surtout avec le froid qu'il y a, parce qu'il fait quand même assez frais. Hein. Je pense qu'il doit faire 16 degrés, il y a pas mal de vent. Donc, manger un bon repas chaud comme ça, ça fait du bien. Donc voilà, donc là, je suis posée dans un petit parc. Et j'ai encore une heure avant d'aller à l'hôtel. Donc, je continue à explorer Gamlastan. Et une fois que j'aurai fini, j'irai à l'hôtel me poser un petit peu, recharger mon téléphone. Et j'en sortirai un petit peu après pour Flika. Voilà. Chambre pour les prochaines heures, parce que demain je vais me lever super tôt pour partir. Donc ici vous avez l'entrée, vous avez une sorte de penderie et un bureau là. J'ai mis ma valise, ma veste. Ensuite là vous avez la salle de bain, les toilettes, la douche, elle est comme ça là, tranquille. Et ici vous avez juste un lit, je crois que c'est un lit, un seul et unique lit. Et la télé ici. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est ça, c'est la vue que j'ai. J'ai vu directement sur la rue. Donc, intimité zéro. Mais bon, il y a ça pour pouvoir cacher un peu. Donc, ça, c'est sympa. Et voilà. Alors, sinon, moi, maintenant que je suis posée, il est 15h06. Maintenant que je suis posée, je vais patienter un petit peu. Je vais vraiment me reposer pendant au moins une heure, parce que depuis 11h, je tourne un peu en rond sans vraiment trop d'avoir de but. Là, ce qui va se passer après, c'est que bon, là, je vais sûrement me poser dans une série, dormir un petit peu, et je sortirai vers 16h-16h30 pour aller prendre un café, trouver un dernier spot pour Fika, et peut-être un spot pour faire des photos, marcher un petit peu encore. Mais je vais tout faire pour être rentrée à l'hôtel pour 20h, 19h30, 20h, parce que je dois me lever tôt demain et j'ai envie de dormir. Donc voilà, c'est un peu le programme de ce soir. Mais en tout cas, je suis contente qu'il fasse beau, je suis contente que la vibe soit vraiment sympa. Et je suis hyper bien localisée, je suis à Gamlastan, quoi. Donc je suis pas très très loin de des centrales et de l'aéroport. C'est 10h44 et après avoir pris deux cafés dans deux cafés différents qui se trouvent juste légèrement en face l'un de l'autre, il est temps pour moi d'aller trouver un point de vue pour pouvoir admirer le coucher de soleil, parce qu'apparemment les couchers de soleil ici sont incroyables et franchement celui d'hier était vraiment pas mal. Du coup là je marche, as you can see, j'ai à peu près 20 minutes d'écart. Par contre ça va pas le faire, je peux pas filmer et prendre ma caméra, filmer et parler au micro comme ça. Mais bon, bref, j'ai 20 minutes de marche et je vais aller sur ce point de vue. Je sais pas si ce sera beau, mais j'espère ne pas être déçue par ce que je vais voir. A plus.
Ciao. Descendre du point de vue qui se trouve juste derrière moi là, right here, et je retourne sur Gamlastan à mon hôtel parce que il commence à faire nuit, enfin il va pas tarder à faire nuit, il y a 18h42, donc j'ai pas envie d'être dehors la nuit, surtout qu'il va faire super froid et je suis pas du tout assez couverte, donc je vais rentrer à la maison, je pense que je vais me choper un petit truc à manger pour ce soir et puis au lit, mais en tout cas j'ai vraiment apprécié le coucher de soleil et je pense que franchement il vaut clairement la peine sur ce point de vue. Je sais pas si c'est l'un des plus beaux points de vue de Stockholm, mais en tout cas celui-là était vraiment pas mal, vraiment sympa, un peu galère la montée mais on peut faire du sport, c'est pas grave. Bref, c'est reparti pour 20 minutes de marche jusqu'à l'hôtel et puis on va clôturer ce séjour ici à Stockholm. Thank you.